Faites gaffe. Aujourd'hui, pour votre week-end, les pieds dans le plat. C'est le cas de le dire. Aujourd'hui, gros sujet qui divise depuis je ne sais combien de centaines d'années. Terrain miné. Le cassoulet. Cassoulet. Alors bien entendu, nous n'allons pas me parler du bon cassoulet de Toulouse, de Carcassonne ou de Castelnaudary. Je ne me moque pas bien évidemment, j'adore cette région, j'adore le cassoulet. Mais nous allons parler du meilleur cassoulet possible, celui que nous dégustons le dimanche, préparé par notre grand-mère en famille. Voici le plat réconfortant par excellence à base de haricots secs, confit de canard, de viande et charcuterie de porc. Le secret de sa réussite? Le laisser mijoter longuement. Et oui, le cassoulet est l'un des plats typiquement français qui représente la gastronomie française à travers le monde. Et cela provient du sud-ouest, là où chaque famille, chaque foyer a sa façon de faire, a son petit ingrédient secret. Quel plat parfait pour pouvoir présenter les vins de cette région, les vins du sud-ouest. Le premier. Le vin des Toulousains, un fronton rosé, 100% négrette. Et oui, nous sommes dans les vignobles du Fronton, juste au-dessus de Toulouse. C'est le vin des Toulousains. En effet, les vins du Fronton ont la particularité d'avoir vraiment une histoire, car à l'origine, ça appartenait aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Le Graal, la quête, allons-y. Eh oui, le mec est fou, il va opposer un cassoulet à un rosé. Attends, je t'explique. Le cassoulet est un plat riche avec des viandes très aromatiques et vraiment cette sauce qui va venir être très opulente en bouche, très présente. Je choisis volontairement de lui opposer mon rosé de Fronton qui, lui, sera vif et frais. C'est cette fraîcheur et c'est cette pointe de vivacité que je vais opposer à cette sauce, à cette opulence. La contraster entre les deux, la contraster, ouais, on va garder la contraster, la contraster entre les deux va faire qu'il va y avoir opposition et ton palais va se mettre à jubiler. Le souffle de Dieu, Cabardès, millésime 2014, vin du Languedoc. Oui, les vins de Gabardès, nous nous situons dans un rassemblement de 18 petites communes au nord de Carcassonne, à l'ouest du Minervois. C'est la partie la plus occidentale de la région du Languedoc. C'est pour ça que cette région, ce vignoble, bénéficie d'un climat océanique et qu'on y retrouve les cépages Merlot, Cabernet, Syrah et Grenache. Cela donne des vins au potentiel de garde élevé, à base de fruits noirs, d'épices, et vraiment avec ce climat océanique et ce soleil qui viennent apporter un vin chaud. C'est pour ça que j'ai choisi ce vin. Je décide là, dans ce cas de figure, de faire puissance, puissance. Je veux opposer à mon cassoulet, qui est très rond, très puissant, avec toujours cette viande et cette texture vraiment omniprésente en bouche, un vin puissance. Si vous êtes comme moi et que vous aimez que vos papilles explosent, faites cet assemblage, vous ne serez pas déçus. Ça va être bon. Les premières vendanges de Clair-du-Faux, millésime 2017, appellation Saint-Mont. Et oui, les vignobles du Saint-Mont, nous sommes juste en dessous Mont-de-Marsan, juste avant les vignobles beaucoup plus connus de Madiran. Les Saint-Monts ont la particularité d'utiliser des cépages assez expressifs comme le Tanat, le Cabernet. Donc ce sont des vins un petit peu corsés à base de fruits rouges et une très belle, généralement, longueur en bouche. Je décide d'opposer à mon cassoulet qui va être toujours avec cette opulence un vin aux notes de fruits rouges, d'épices écorcées qui va venir, lui, cette fois, rehausser notre viande dans le cassoulet. Voilà pourquoi je choisis ce petit vin du Saint-Mont. Il va venir, lui, accompagner à merveille cette viande qu'il y a dans le cassoulet. Et ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel vin du sud-ouest ou pas d'ailleurs.
tellement de choses est possible. Vous aimez déguster avec votre cassoulet. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à mettre un petit pouce bleu. Si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Vous étiez bien sur la chaîne, tu veux savoir. Maintenant, tu sais. Ciao !